une nouvelle statue pour Johnny Hallyday. Le rocker décédé le 5 décembre 2017, il a bientôt 6 ans, avait déjà eu droit à une statue de 3 mètres en Ardèche et sa statue à la con dans le quartier de Bercy, à Paris. Une nouvelle statue va voir le jour dans la ville de Fréjus, dans le Var. Si est son maire, l'édile Rassemblement National David Racklein, qui a annoncé la nouvelle à nos confrères de Nice matin. Une statue à la gloire du rocker doit avoir le jour en collaboration avec le HDC Desperados, le club de bikers que Johnny Hallyday avait co-créé avec deux amis en 1992. Reste à savoir où sera installée la fameuse statue. Pour l'instant, le lieu définitif n'est pas encore arrêté. Plusieurs pistes sont étudiées, à commencer par la base Nature et Port Fréjus, explique David Racklein à nos confrères de Nice matin. Ce lieu permettrait aux fans de se recueillir. Il serait d'autant plus important que la sépulture de l'artiste se trouve à Saint-Barth, aux Antilles, à plusieurs kilomètres de la France. Obsèques de Johnny Hallyday. Les premières photos de Laetitia, David. Statue de Johnny Hallyday, pourquoi à Fréjus? Plusieurs éléments sur ce projet de statue ont été communiqués, permettant d'ores et déjà d'imaginer à quoi elle ressemblera. La statue hommage à Johnny Hallyday devrait faire 1,80 m de haut. Elle devrait représenter le rocker en s'inspirant de son look lors du concert événement de ses 50 ans, donné au Stade de France en 1993. Si est-il le sculpteur Olivier Delobel qui sera chargé de réaliser cet ouvrage, selon les informations de nos confrères de France Bleu. Le choix de la ville de Fréjus pour installer la statue de Johnny Hallyday ne doit rien au hasard. D'abord, si est-il dans le sud de la France que le club de bikers international créé par le rocker compte encore le plus de membres en activité aujourd'hui. Surtout, Johnny Hallyday avait un lien particulier avec cette ville. Si est-il sur le site de la base Nature de la ville du Var que Johnny Hallyday avait donné un concert le 2 juillet, un peu plus d'un an avant sa mort, réunissant environ 15 000 personnes. Crédit photo, agence.